Eh bien, salut tout le monde, c'est Caro Squid, Youyou, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de Mythopia. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus, des commentaires et aussi de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc let's go, c'est parti les amis, on y va pour l'épisode 10. L'aventure. Et toujours à la recherche du visage de Lexal, hein, encore. Je veux plus combattre. Dis pas ça. Dylan. Dylan avec sa tenue de mémé. Qui nous aussi aime bien Caro Squid. Grrr, grrr. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Rien du tout. D'accord. Les garçons, c'est bon. Pas la peine de se battre pour moi. Hein. Je sens que je vais m'écrouler. Et au fait, ah non, rien. Non, au pif, hein, on s'en fout. Que ça soit en haut ou en bas, on s'en fout, on fait au pif, hein. J'ai mal au ventre. Tu tiens le coup? Ah, bah voilà, on a des combats au moins. Oh, des papillons! Ou des papillons. Oh, GG Kinou. Bon bah à mon tour. Ouais. Oh. Clémence? Comment ça, Clémence? Je ne veux pas. Oh non, mais ah oui, c'était quoi la phrase que je voulais dire? Prise en étau. En gros, mamie, elle voulait pas attaquer. Bien fait, mais on est obligé vu que c'est des ennemis quoi. Ça c'est fait. Mon mic, elle voulait pas attaquer. J'ai bien dormi. Bah moi aussi, Dylan, hein. Tu m'en diras tant. Tu m'en diras tant. Ah, ben en haut. Encore. Je veux plus combattre. Tu tiens le coup? Oui, je tiens le coup, Xiafol, t'inquiète pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait, Dylan? Et pourquoi Chaton, il est en train de dormir? MDR, le Sborza. Ils ont fait leur petit sketch, c'est bon là. Oh là là, sérieusement, quelle équipe. Arrêtons le délire, ouais, arrêtons le délire, ouais. La nuit tombe. Ah! C'est l'heure de dormir. Les environs ne sont pas très rassurants. Il vaudrait mieux que quelqu'un reste éveillé. Qui va monter la garde? Bah, vas-y, déjà moi. Vas-y, vas-y, moi. Je vais monter la garde cette nuit, dormez bien. Donc déjà moi la première. Chaos Cuit de Somol. Somnol. Enfin. En gros, ça veut dire, je crois que je m'endors en gros. Et le matin arriva. Ça va les garçons, vous êtes bien reposés? Bonjour. Merci d'avoir monté la garde, bah de rien. Il n'y a pas de souci les gars. Qui c'est qui a pété? Bah, je sais pas, Dylan, à mon avis, c'est Kinou, hein. Il a lâché le caisse. Allez, on y va. Voilà qui devrait me protéger. Je vais t'aider. Bien fait. Xiafol, tu es formidable, waouh. Ok, attaqué. Oui. Oh non, Dylan. Oh non. Non, Dylan, s'il te plaît. Oh non. Reprends-toi. Ah bah heureusement que Ziafol, il est là, hein. Attends, je t'aide. Guérison plus 1. Hey, merci.
Ok, à mon tour. Ok, plus que le papillon maintenant. Enfin, le papillon au poison là. Ok, bien joué. Ah, quelle équipe. Vivement le prochain combat. Ouais. On est chaud là, ça se voit. J'ai mis ma tenue préférée. En avant-marche. En avant-marche. Oh, un coffre. 400... 400 d'argent? Ah ouais. Ah ouais, là on se met plutôt bien quand même, hein. On se met plutôt bien. Ah, l'auberge? Ouais, l'auberge. Youpi! Vous avez reçu une lettre. Oh! Cher Karoskid, vous voyagez toujours? Ça avance le sauvetage de Mythopia. En tout cas, continuez, je compte sur vous. Vous avez obtenu un ticket sortie. Ah bah, c'est gentil, merci beaucoup. Ouvrir au moins 15 coffres au trésor dispersé à travers Mythopia. Encore une médaille. Ah bah, génial. Oh, deux relations renforcées en même temps. Ah bah, dis donc. Ça promet là. Niveau 10. Et moi, niveau 5. Ok. Ah. Xiafol. J'ai envie de voir la chambre de Car... Enfin, j'ai envie de voir la chambre de Karoskwid. C'est ça que je voulais dire, j'avais bien parlé. Ah, il veut me voir. Oh non, c'est pourquoi encore? Il est temps de muscler nos corps de crevettes. Pour tout ce que j'ai de plus cher, place à l'entraînement. Encore? C'est la deuxième fois qu'on fait ça, quoi. Mais c'est mignon, dis donc. Oh! Niveau 20! Relation solide! Oh là là! Ah, la tête qu'on fait par contre, hein, là. La tête qu'on est en train de faire, quoi. Ouais, du coup, je vais mettre Kinou avec Xerfol, comme ça il n'est pas tout seul. Et du coup, ben, on va partir tout de suite, hein, on a le temps, comme toujours. Donc, on y va. Oui, bon, ça c'est pour l'Exal, mais on fera dans un prochain let's play. Mais là, on va continuer, du coup. On va finir. Enfin, on va essayer de finir. Allons-y! Je me demande comment va Xiafol. Bah, il va très bien, ne t'inquiète pas. Jusqu'ici, tout se passe bien. Poum, poudoum, waouh. Et c'est maintenant que tu le dis. De quoi c'est maintenant que je le dis? Bah, j'ai le droit de dire ce que je veux, en fait. Bon, allez, par là. Je boirais bien un café. Bah, Kinou, c'est pas trop le moment, hein. On fera ça plus tard. On fera ça plus tard, Kinou. Voilà qui devrait me protéger. Je vais t'aider. Yeah! Adieu! Ok. Est-ce que j'ai appris une nouvelle technique? Chanson d'amour, mélodie. Non, j'ai pas appris. Allez, je vais le faire quand même. Ça fait longtemps, ça. Oh! Bon, j'en ai eu un, moi. Allez, Xiafol. Ah ouais, bien fait. Bien joué, la team. Voilà une bonne chose de faite. Exactement. J'aime bien notre aventure en vrai, hein. Elle est tellement bien. On trouve des plats rares par ici. On trouve des plats rares par ici. Oula, je sais plus là, il y a trop de chemin. Bon, en bas alors, en bas. Bon, je crois que le reste, je vais devoir le faire toute seule parce que sinon ça va être long. C'est pas faux. Et comme ça, bah, prochain let's play pour l'épisode 11, on ira voir l'Exal. Enfin, on va devoir aller le sauver quoi. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, les fameuses statues là. Ah.
C'était un rêve. Oui, c'était un rêve, Dylan, ne t'inquiète pas. Sacré Dylan. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. T'en as pas marre? T'en as pas marre. Tous ensemble, ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Pour cet épisode 10, ça fait plaisir. Je vais t'aider. Yeah! Oh! Ah, Dylan. Elle a choisi Dylan. Ok, bien joué. Vas-y, tu sais quoi? À mon tour. Moi, j'ai infligé beaucoup de dégâts, là. Bien fait! Attention à... Attention, Dylan. Merci. Oui. Enfin, c'est moi qui ai pris cher, quoi. Je vais t'aider. Ok. J'ai réussi. Bien joué, les gars. Vivement le prochain combat. Ah, mais Kinou, il est jamais épuisé, lui. Hein. Il est jamais épuisé, lui. Il est jamais fatigué, Kinou. J'ai dormi comme un bébé. Sérieusement? Sérieusement? Sais même pas, ça va être quoi le titre de la vidéo? Là, on a encore fait des combats et tout dans la forêt. Je crois que la vidéo, ça va s'appeler la petite randonnée. Enfin, la petite randonnée dans la forêt garée. D'air. En vrai, y a rien de spécial, quoi. Vous avez sauvé 150 habitants de Mythopia. Oh! Ça y est, on l'a fait, les gars! Eh, mais ça passe tellement vite, en fait. Amélioration de la serveur PV. Bon, bah là, je passe. Hein. Vous connaissez maintenant. 150 habitants? Ah ouais, quand même, hein. Prochaine étape, sauver 200 habitants. Les gars, prochaine étape, 200... 200, ouais. 200 habitants. J'allais dire 250. Alors que déjà, c'est 200. 200 habitants, prochaine étape. Oh là là. On est chaud, hein. J'ai envie de voir la chambre de Dylan. Pourquoi? Pourquoi encore? Ouais, je veux voir Dylan, oui. Ah, il y a un mon cheval, elle veut voir un Zéafol. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Karoskid raconte un épisode marquant. Alors? C'est tout? Juste ça? C'est une blague. Juste pour ça, en fait. Juste pour ça. D'accord, bon. J'ai pas trop compris, mais ok, hein. Oh. Est-ce que tu as bien mangé? Voyons ça. Il reste à manger. Eh ben alors, tu as pas tout mangé? Oh non, sérieux. Bon, on va rester à l'auberge, les gars, parce que bah c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc voilà quoi. N'importe quoi. Du coup, on a le temps pour s'occuper un petit peu, je crois. Bah, au pire, non, non, je crois qu'on n'aura pas le temps parce que je vais devoir couper la vidéo. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 10. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme toujours, à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires, et aussi n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous retrouve à très bientôt pour l'épisode 11. Et je pense que cet épisode 11, on va aller sauver Lexal. Normalement, oui. Et du coup, voilà, donc... En plus, j'aurai même pas de titre pour la vidéo, bon... Pas grave, je mettrai un truc assez bien. Mais bon, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve à très bientôt pour l'épisode 11 pour la suite. Voilà. Gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao.